Bonjour à tous. Je voulais faire cette vidéo ici parce qu'on entend les cigales, le pivert et puis ça s'y prête bien. C'est un petit espace sacré chez nous dans nos bois. J'ai eu l'autre jour, jour de pleine lune d'ailleurs, une inspiration, une idée, peu importe, de faire un appel au tambour. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin d'envoyer des vibrations sur la terre, des belles vibrations d'amour, de paix, mais surtout de liberté. Je pense que vous me comprendrez aisément, sans rentrer plus loin dans les détails. J'ai eu vraiment un appel, vraiment du fond de mes tripes, de vous proposer un appel des tambours. C'est-à-dire d'envoyer les sons du tambour et de votre voix, si vous le désirez, dans l'univers, avec l'intention de clamer haut et fort notre liberté. Je pense que c'est très important en ce moment. Et surtout pas lutter contre, mais proposer quelque chose de constructif, d'évolutif. Pour moi, ce qui est important, c'est quoi qu'il se passe, moi je veux évoluer à l'intérieur de moi. Et je veux lâcher mes peurs, je veux me mettre dans un espace harmonieux à l'intérieur de moi. Et pour ça, j'ai besoin de taper du tambour pour que la vibration, vous savez bien que le son est vibration, et que la vibration se propage là où elle doit aller, donc avec l'intention avec une intention de liberté, tout simplement. Donc, je vous propose personnellement de faire une petite impro avec le tambour et la voix. Alors pas du tout professionnel, complètement amatrice, mais dans mon intention personnellement, j'y mets surtout pas de perfection, surtout pas de quelque chose de politiquement correct, de beau, je m'en fous, je joue avec mes tripes, avec mon ce qui vibre à l'intérieur de moi, avec mon tambour. Et pourquoi le tambour? Parce que c'est l'âme, pour moi c'est l'âme de la terre-mère. Il résonne bien, il résonne bien avec la terre. Celui-ci, c'est mon tambour de guérison que j'ai depuis quelques années, que Jean m'a offert. Et je voulais donc revenir au silence avec les cigales et la nature. Donc avec mon intention de cœur de liberté, je vais faire une impro. Allez, on y va. Thank you.
cette vibration de liberté. Liberté d'être. Liberté d'être soi-même. Bas les masques. Liberté de l'âme. Liberté de l'âme. Arrête. Alors les amis, maintenant, à vos tambours, je vous propose, si vous le souhaitez, de faire la même chose, de prendre votre tambour. Si vous n'avez pas de tambour, un instrument de musique, ou même des maracas, ou, enfin c'est un instrument, mais des bouts de bois sur un verre, enfin ce que vous voulez, qui émettent une vibration. Et je vous propose une impro dans le cœur, pour la liberté, hors perfection, hors quête de beauté ou autre, sauf si vous êtes pro évidemment, mais voilà, vous avez vu, vous avez remarqué, j'ai fait le loup plusieurs fois, j'adore ça. Pourquoi le loup? Parce que d'abord le loup pour moi c'est un animal totem, symbole de liberté par excellence. Et puis aussi, petit clin d'œil à Femmes qui courent avec les loups, hein, ce très beau livre de Clarissa Pinkola Estes, qui symbolise la femme sauvage, libre, hors soumission. Vous voyez ce que je veux dire? Libre de tout, de faire tout ce qu'elle veut. Bientôt les amis. Donc voilà, n'hésitez pas à faire cette impro sur notre page Facebook Énergie et Géobiologie. Et ce sera un plaisir de partager. Plus on sera nombreux à faire ça, plus ça vibrera dans l'univers. Vous n'êtes pas obligé de vous filmer, mais ça peut être sympa aussi, un petit clin d'œil. À bientôt.